Alors, avec la distance physique, j'ai besoin de mes lunettes cette fois-ci. Tac. Vide. Je vous propose de commencer nos travaux. Nous sommes au complet. Il manque deux personnes. Une absente, Manuela Briscan, et une personne excusée, Mariama Lescure, représentée par Monsieur Fage. Donc je vous propose de commencer nos travaux. Je vais laisser la parole à Awa Kone pour l'appel nominal. Merci, Monsieur le maire. Laurent Baron. Présent. Awa Kone, présente. Stéphane Commun. Présent. Clotilde Chauffru. Présente. Tristan Martin Théodorzic. Présent. Emma Anthropoli. Présente. Jean-Abel Pécaud. Présent. Marlène Douane. Présente. Jean-Marc Robinet. Présent. Coralie Cocheteux. Présente. Hervé Affrine. Présent. Gérard Combe. Présent. Sylviane Blin. Présente. Farid Aïssani. Présent. Serge Robineau. Présent. Zoulia Seguiri. Présente. Manuela Briscan, absente. Sarah Schrellup. Elena Estève. Abdelwahab Kouissi. Asmaan Belaïd. Mohamed Yenbou. Présent. Mélanie Benoliel. Présent. Mehdi Salemkour. Présent. Adèle Benhamed. Présent. Myriam Adouche. Saïd Sadawi. Présent. Anna Coulon. Présent. Grégoire Roger. Mariama Lescure, représentée par monsieur. Dominique Fage. Alexandre Saada. Delphine Debord. Merci Awa. Séance de conseil de municipal, séance du conseil municipal d'installation un peu particulière, comme on s'en rend compte. Mais tout va bien se passer. Je vous propose, après cet appel nominal de Awa Kone, de proposer Gérard Combe comme secrétaire de séance. Merci Gérard. Donc le premier point à l'ordre du jour est la délibération numéro 1. Mes chers collègues, comme vous le savez, le 15 mars dernier s'est tenu le premier tour des élections municipales dans un contexte de crise sanitaire que nous connaissons tous. À ce titre, je tiens à remercier sincèrement l'administration communale ainsi que l'ensemble des personnes qui se sont mobilisées ce dimanche 15 mars pour que les opérations de vote se déroulent parfaitement. Ainsi, pour ce scrutin, 8994 électeurs étaient inscrits. 3781 bulletins ont été glissés dans les urnes. Sur ces 3781 bulletins, nous avons compté 42 bulletins blancs, 139 bulletins nuls. Ainsi, 3600 suffrages ont été exprimés. Sur la base de ces chiffres que je viens de vous citer, la liste Le Pré au cœur, la gauche et les écologistes avec Laurent Baron ont obtenu 1807 voix, soit 50,19%. La liste alternative gervaisienne a obtenu 708 voix, soit 19,66%. La liste à gauche autrement a obtenu 370 voix, soit 10,27%. La liste Demain le Pré a obtenu 370 voix, soit 10%. La liste citoyenne du Pré Saint-Gervais a obtenu 260 voix, soit 7,22%.
Et enfin, la liste Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs, a obtenu 95 voix, soit 2,63%. Ainsi, la liste Le Pré au cœur, la gauche et les écologistes avec Laurent Baron, obtient donc la majorité absolue des voix lors du premier tour du scrutin. Comme la loi le dispose, les conseillers municipaux sont élus au scrutin proportionnel de liste et les sièges ont été répartis à la répartition proportionnelle selon la plus forte moyenne. Avec prime majoritaire de 50% à la liste arrivée en tête, les listes qui en ont obtenu 5% des suffrages ne sont pas admises dans la répartition des sièges. À l'issue de ce scrutin, le nombre de sièges pour le conseil municipal se répartit donc de la façon suivante. 26 sièges pour la liste Le Pré au cœur, la gauche et les écologistes avec Laurent Baron. 3 sièges pour la liste Alternative Gervaisienne. 2 sièges pour la liste À gauche autrement. 1 siège pour la liste Demain Le Pré. 1 siège pour la liste citoyenne du Pré Saint-Gervais. Et 0 siège pour la liste Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs. En conséquence, sont déclarés installés dans leur fonction de conseillers municipaux les 33 élus suivants. Laurent Baron, Awa Kone, Gérard Combe, Mélanie Benoliel, Sarah Seljrup, Abdelouad Koussi, Clotilde Chauffru, Mehdi Salemkour, Coralie Cocheteux, Jean-Marc Robinet, Myriam Adouche, Jean-Abel Pécaud, Emma Anthropoli, Serge Robineau, Marlène Douane, Farid Aissani, Sylviane Blin, Hervé Afrine, Manuel Abriscan, Adel Benhamed, Zoulia Zeghiri, Mohamed Yembou, Asmaa Belaïd, Tristan Martin, Elena Estève, Grégoire Roger, Anna Coulon, Saïd Sadawi, Maria Malescure, Dominique Fage, Alexandre Saada, Delphine Debord. Il est donc demandé au conseil municipal de prendre acte de la composition de la nouvelle assemblée délibérante. Je vous remercie. Je vous propose donc de passer au point numéro 2. Et je vais céder la parole et mon siège au doyen d'âge Hervé Afrine. Bien. Le privilège de l'âge m'amène à présider un moment cette assemblée pour faciliter, pour permettre l'élection du maire. C'est un honneur pour moi. Pour mener à bien cette petite mission, je serai assisté de deux assesseurs, les benjamins les plus jeunes de l'assemblée qui est ici réunie, avec la benjamine Myriam Adouche et Adèle Benhamed, qui viendront un petit peu plus tard pour organiser le vote. Je vous rappelle, comme il a été dit par Monsieur le maire de la précédente mandature, que nous avons affaire à un scrutin uninominal, à bulletin secret et à majorité absolue. Je vais donc maintenant inviter les candidats qui souhaiteraient se présenter à cette élection à se manifester maintenant et à faire acte de candidature. C'est là que je prends la parole. Alors, monsieur, j'ai monsieur. Oui. Bien vu, donc Delphine Debord, Grégoire Roger, Monsieur Afrine. Et Monsieur Afrine, m'écoute pas. Grégoire Roger. Et je souhaite présenter le candidat de notre groupe. Ici, d'accord. Monsieur Afrine.
ici, faire une présentation du candidat, dire... Voilà, qui sera... et voilà, Laurent Baron qui est présenté par le groupe. Je ne l'ai pas dit. Oui, à vous. Il faut d'abord prendre les candidats. Alors, je voudrais savoir, donc là on a donc 1, 2, Monsieur Sada, Delphine Debordes et Monsieur Grégoire Roger. Voilà. Mariam Alescure. Mariam Alescure. C'est pas mal. D'accord. Et Mariam Alescure, donc. Ah oui, oui, oui. D'accord. Okay. Et enfin. Laurent Baron. Oui. Laurent Baron. Voilà. Donc je vous prie de voilà, bien vouloir. Voilà, expliquez peut-être votre candidature. Je commence. Monsieur le maire, cher Laurent, chers collègues, avant de débuter, j'aimerais, au nom de toute l'équipe d'Alternatives Gervaisiennes, exprimer notre soutien à toutes les Gervaisiennes et tous les Gervaisiens qui ont été touchés par le coronavirus. À tous ceux qui ont connu des peines, des souffrances, qui craignent pour eux-mêmes ou pour leurs proches, qui ont des inquiétudes personnelles ou professionnelles pour demain. Soyez assurés de notre soutien indéfectible et de notre envie de dessiner tous ensemble des jours meilleurs. Aussi, nous témoignons notre reconnaissance au personnel soignant, aux forces de l'ordre et de secours, à toutes celles et ceux qui ont été en première ligne pendant ce combat dans des conditions souvent indignes. Depuis 30 ans, les responsables politiques au sommet de l'État ont enchaîné privatisation, coupes budgétaires et suppression de postes, perdant de vue la notion d'intérêt général et le rôle fondamental de notre service public. Puisse cette crise nous permettre de revenir à la raison et de le protéger. Reconnaissance également envers tous les agents de notre ville et de la communauté d'Est Ensemble, qui ont continué à travailler avec professionnalisme pour le bien-être des Gervaisiens. Agents de voirie, personnel d'aide et de soins à domicile, agents de l'état civil, policiers municipaux, autant de personnel indispensable au quotidien des habitants. Reconnaissance au travail de toute la communauté éducative qui a permis aux élèves de continuer leur apprentissage et à leurs familles de les accompagner au mieux. Reconnaissance enfin à toutes les professions qui ont permis à notre pays de conserver un semblant de normalité. À tous, merci. Votre engagement et votre dévouement pour surmonter cette épreuve sont inestimables. Ce soir, je suis honoré de présenter ma candidature au poste de maire. Si je ne me fais aucune illusion sur l'issue du scrutin, ma candidature a pour seul objectif de nous inviter à prendre un recul indispensable sur la période que nous traversons et sur les derniers mois de cette campagne municipale. Il y a un an, Alternatives Gervaisiennes n'existait pas. Aujourd'hui, nous sommes devenus la première force d'opposition, une alternative crédible à la majorité actuelle. Pendant toute la campagne électorale, notre mouvement a eu droit à des attaques et des mensonges qui ne rendent pas hommage à la politique et dont personne ne sort grandi. Liste de revanchards, liste de droite, aigris, gloubi-boulga, pas de ligne directrice, attaques sur les réseaux sociaux, la liste est longue. De nombreux Gervaisiens se sont d'ailleurs étonnés de notre silence face à ces critiques. Mais nous n'avions qu'une seule préoccupation, travailler sur un projet de ville ambitieux et réaliste pour tous les Gervaisiens. Notre conviction, c'est que la richesse d'une ville se construit autour de l'ensemble des idées de ceux qui la dirigent, mais avant tout de ceux qui y vivent et la font vivre. En quelques mois, notre mouvement n'a cessé d'agréger autour de lui et de réunir nos concitoyens. Nous avons démontré qu'il est possible de faire de la politique autrement. Si Alternatives Gervaisiennes a réussi à surmonter des clivages, c'est parce que nous sommes tous confrontés à une triple urgence, écologique, démocratique et sociale. Dépasser des clivages, mais pas seulement. Si notre collectif s'est créé, c'est également pour s'élever contre une absence de vision globale de notre ville, une tendance à la division et une personnification du pouvoir à outrance. Depuis 2 ans, Monsieur le maire, vous êtes en campagne.
Vous avez pu, pendant cette période, prendre vos marques, montrer votre façon d'exercer cette fonction et comment vous envisagez l'avenir du pré. Cette campagne a d'ailleurs porté ses fruits, puisque les Gervaisiens vous ont accordé leur confiance, mettant en avant une personne très présente sur le terrain, accessible et proche des Gervaisiens. Mais je préfère le dire ici sans ambiguïté. Les concertations de façade lorsque les décisions sont déjà prises, les passations de pouvoir décidées dans le dos des Gervaisiens, le manque d'ambition écologique en pleine crise environnementale sur le site Busseau, un journal municipal devenu un outil promotionnel du pouvoir exécutif, ces pratiques nous font craindre pour l'avenir du pré. Les urnes, dans un contexte particulier, vous donnent une légitimité aujourd'hui, mais ne suffiront pas sur le long terme à justifier des méthodes qui éloignent les citoyens de la vie politique et les empêchent de se reconnaître pleinement dans leur ville. J'aimerais faire un aparté pour remercier les conseillers municipaux qui, je le pense sincèrement, se sont donnés corps et âme pour cette ville que nous aimons tant et qui vont voir leur mandat prendre fin. Plus particulièrement à Martine Legrand, qui n'a eu de cesse de se battre pour porter haut les couleurs de la culture, de la rénovation de la bibliothèque François Mitterrand à la création de la Petite Criée, jusqu'à la construction d'un conservatoire flambant neuf sur notre territoire. À Jean-Luc Decobert, qui a remis les comptes de la ville dans le vert, permettant des investissements importants comme la rénovation des écoles Anatole France et Rosa Parks. À Cédric Guillou, qui a su démontrer qu'on pouvait avoir des divergences au niveau national et en même temps placer l'intérêt général au-dessus de tout à l'échelle locale en amenant une opposition constructive. À la suite de sa démission en 2018, je voudrais aussi remercier Gérard Combe pour son investissement pendant plus de deux décennies à la tête de la ville, qui lui a valu d'être maire honoraire. Je le croyais sincère en 2018 quand il annonçait vouloir tourner la page et laisser une nouvelle génération s'installer. Mais son mandat de conseiller municipal ne prend pas fin ce soir. Il semblerait qu'une place à Est Ensemble ou la métropole du Grand Paris ait remis son engagement à plus tard. D'autre part, si nous déplorons tous le maintien du premier tour des municipales, qui a conduit de nombreux électeurs à déserter les urnes, nous aimerions avoir un mot à l'égard des 42 citoyens gervaisiens qui ont voté pour la liste citoyenne du Pré et qui ont vu leur bulletin invalidé, les privant de leur expression démocratique. Un recours a été déposé par Delphine Debord devant le tribunal administratif pour déterminer la sincérité du scrutin. Quelle qu'en soit l'issue, je vous avoue, Monsieur le maire, notre malaise dans cette affaire, à la lecture de votre mémoire de défense, qui révèle une conception de la démocratie qui ne vous grandit pas. En effet, les bulletins de la liste citoyenne envoyés à domicile étaient invalides. Mais dans votre mémoire, vous considérez que ces 42 électeurs auraient volontairement choisi ces bulletins dans le seul but de dénoncer les traités européens. N'avez-vous pas l'impression de vous mentir à vous-même ? Qu'est-ce qui justifiait la rédaction d'une telle défense de votre part ? La perspective d'un second tour ? Je n'ose y croire. L'esprit républicain est une valeur cardinale d'Alternative Gervaisienne. S'il faut savoir être bon perdant, le fair-play marche dans les deux sens. Gagner demande une certaine élégance, surtout lorsqu'il est question du vote de nos concitoyens, un acte essentiel de notre démocratie qui ne tolère aucune transgression. À tous ceux qui se sont déplacés le dimanche 15 mars pour nous apporter leur voix, merci d'avoir cru dans le projet d'Alternative Gervaisienne, un mouvement citoyen qui n'est qu'au début de son histoire. J'ai une pensée particulière pour tous mes colistiers qui se sont engagés avec l'ambition de mettre leurs compétences au service d'un projet de ville à la hauteur de tous les quartiers et de tous les Gervaisiens. Ils sont la boussole de notre mouvement et une véritable force pour le pré de demain. Je suis très heureux de les représenter aux côtés d'Anna Coulon et de Saïd Sadawi, des Gervaisiens engagés qui sauront faire honneur aux valeurs de notre mouvement. Maintenant, pour surmonter cette épreuve collective, pour inventer le monde d'après, ce conseil municipal doit avoir de nouvelles ambitions fortes. Promouvoir une ville résiliente par des mesures immédiates, lutter contre le décrochage scolaire, soutenir nos entreprises et nos commerces, favoriser les mobilités douces, préserver les acteurs du monde culturel,
soutenir nos concitoyens en première ligne contre la maladie, prendre soin de toutes celles et ceux que la crise aura fragilisés. Nous profitons donc de ce conseil municipal pour lancer un appel à ceux qui, comme nous, considèrent que le monde d'après ne peut pas se décider sans eux. Un appel à toutes celles et ceux qui aspirent à une société plus transparente, participative et coopérative. C'est par plus de démocratie que nous sortirons grandis des crises qui nous ébranlent. À vous, mes chers collègues, je vous le dis avec la plus grande sincérité. Sortons de ce schéma majorité-opposition, de ce modèle binaire, de cette vision manichéenne qui nous empêche de mettre toutes les énergies positives autour de la table. Cela semble d'autant plus vrai dans notre commune où les idées nationales l'emportent parfois trop sur l'action locale qui doit être menée. Il est urgent que les postures politiciennes cessent. Nous sommes ici pour défendre l'intérêt de tous les Gervaisiens. Cette crise est une épreuve difficile qui a accentué les inégalités et touché notre département de plein fouet. Ayons l'audace d'en faire une opportunité en faisant collectivement les bons choix. Je vous remercie de votre attention. Bien, je vous remercie de votre intervention. Maintenant, au nom de la parité, je vais inviter Madame Delphine Debord à éventuellement expliquer la raison et la motivation de sa candidature. Je vous remercie. J'avais levé la main avant, mais ça n'a pas été vu, c'était peut-être pas le moment, mais ce que je voulais dire, c'est surtout que la liste citoyenne ne prend pas acte de ces résultats, et donc je vous remercie de me laisser expliquer pourquoi. Nous profitons de cette parole publique pour remercier les 302 électeurs qui ont exprimé ou cru exprimer leur vote en faveur de la liste citoyenne et son projet pour la ville. Cru exprimé, car parmi eux, effectivement, 42 personnes ont utilisé un bulletin invalide sans le savoir. La liste citoyenne présentait un candidat de nationalité tchèque et n'a pas mentionné cette nationalité sur le bulletin de vote, alors que le code électoral le prévoit. La commission de propagande, qui se tient en préfecture et dont c'est le rôle, n'a pas relevé la mention manquante. Le bureau des élections de cette même préfecture aurait même donné la consigne de continuer la mise sous pli des bulletins non valides malgré l'alerte justifiée donnée par les services municipaux. Cela signifie que toutes les Gervaisiennes et les Gervaisiens inscrits sur les listes électorales ont reçu chez eux, dans les enveloppes consacrées aux élections, des bulletins que les autorités auraient dû savoir invalides. Dans le contexte inédit d'une élection en pleine crise sanitaire, le gouvernement encourageait en même temps les citoyens les plus fragiles à ne pas sortir de chez eux et préconisait à tous et à toutes de se munir des bulletins de vote reçus au domicile. Dans cette cacophonie, l'exécutif municipal n'a pas informé les électeurs et électrices et à la fin des opérations de vote, les présidents des bureaux de vote ont pris soin d'attirer l'attention des scrutateurs sur cette mention afin que les bulletins concernés soient bien considérés comme nuls. Ainsi, 42 voix gervaisiennes exprimées de bonne foi en faveur de la liste citoyenne n'ont pas été comptabilisées. Mais 42 voix dans une élection pour laquelle seules 3600 personnes se déplacent aux urnes et où une majorité absolue est accordée à la liste du maire sortant qui ne rassemble que 1807 voix, soit 7 voix seulement de plus que le quorum nécessaire à son élection dès le premier tour, 42 voix dans cette élection-là, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup quand on se rend compte que si ces 42 voix étaient considérées comme valablement exprimées, la majorité absolue n'était pas proclamée et un second tour des élections aurait alors dû être organisé. Les Gervaisiennes et Gervaisiens avaient droit à un second tour qui aurait probablement modifié la composition du conseil municipal. C'est pourquoi la liste citoyenne, par sa tête de liste, a exercé un recours devant le tribunal administratif. En s'appuyant sur le droit et la jurisprudence, nous estimons le résultat des élections du 15 mars 2020 au Pré-Saint-Gervais insincère et demandons l'annulation des opérations électorales. Par ce recours, par cette demande d'un scrutin sincère, c'est le respect plein et entier de l'expression démocratique que nous demandons.
La démocratie, grâce à laquelle le peuple est souverain, a été bien malmenée et continue de l'être. Au niveau national, nous avons subi l'usage outrancier par plusieurs gouvernements de l'article 49.3 de la Constitution qui empêche le débat parlementaire. En ce moment, la décision d'organiser les seconds tours dans les villes où les assemblées n'ont pas été élues au premier, alors que nous ne sommes pas encore sortis de la pandémie, est un nouveau témoignage de ce mépris de l'expression populaire. Pour finir sur une mauvaise note locale, nous gardons en mémoire les élections départementales de 2015, lors desquelles les citoyens avaient déjà été privés d'un second tour par des accords d'appareil politique, le PS et le PCF faisant fi de l'expression des votants. On le voit bien, au mieux ces élus se moquent de celles et ceux qui les élisent, au pire, ils et elles les méprisent. Mais les citoyens et citoyennes gervaisiens et gervaisiennes ne sont pas dupes et sont de moins en moins nombreux et nombreuses à se rendre aux urnes. La représentativité est donc bel et bien en crise. Or, c'est bien la vivacité, mais aussi nécessairement le respect porté à l'expression populaire qui donne la légitimité aux représentants élus et qui justifie que dans le cadre d'une démocratie représentative, ils peuvent, à quelques-uns, décider pour tous et toutes. Mais au Pré-Saint-Gervais, ville de 18 000 habitants, avec 3 600 suffrages exprimés et une abstention de près de 58%, on ne peut pas se targuer d'une démocratie locale bien vivace. Nous ne devons donc pas l'achever par l'acceptation d'un résultat insincère. Car oui, accepter un résultat insincère, c'est accepter d'enterrer l'idée même de la démocratie. Et la liste citoyenne s'y refuse en l'état. Elle demande à la justice de dire le droit. Elle reconnaîtra la décision de la justice et assumera ses responsabilités. Mais en attendant, elle considère que sa responsabilité est de dénoncer cette mascarade en refusant d'y prendre part. Certes, le recours n'est pas suspensif et en droit, le Conseil est réputé élu en attendant cette décision de justice. Mais notre position politique de défense primordiale de l'expression citoyenne nous conduit à ne pouvoir reconnaître pour le moment la légitimité des élus s'installant aujourd'hui à décider pour tous et toutes de quel côté qu'ils ou elles soient. Nous ne voulons pas jouer le jeu d'une démocratie encore une fois galvaudée et moquée. Nous espérons que les autres oppositions sauront elles aussi défendre des principes démocratiques forts, notamment en refusant de voter les 29 délégations de pouvoir données au maire par l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Car en ce jour où l'on nous demande de valider une élection où une partie de l'électorat a été dupé, nous faisons nôtre les mots de Virginie Despentes. Je la cite « La différence ne se situe pas entre les hommes et les femmes, mais entre dominés et dominants, entre ceux qui entendent confisquer la narration » et imposer leurs décisions, et ceux qui vont se lever et se casser en gueulant. C'est la seule réponse possible à vos politiques. Quand ça ne va pas, quand ça va trop loin, on se lève, on se casse. Bien, je vous remercie. Je voudrais quand même que vous m'ôtiez d'un doute. Je vous ai bien écouté. Et je voudrais que vous me confirmiez que vous présentez bien votre candidature à l'élection du maire. Non, vous quittez l'Assemblée ? Très bien, je vous remercie. Monsieur Alexandre Sada. Monsieur le Président d'Est Ensemble, Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs les adjoints, chers collègues. Le 15 mars dernier, une courte majorité d'électeurs s'étant déplacée lors des élections municipales a choisi d'élire Laurent Baron, maire du Pré-Saint-Gervais. Ma candidature, symbolique ce soir, n'est en rien une remise en cause de ce scrutin, qui, malgré des conditions exceptionnelles, doit être accepté. La justice décidera si ce scrutin fut insincère au Pré-Saint-Gervais. En attendant, il était important que cette municipalité puisse prendre ses fonctions le plus rapidement possible. Durant ces 2 mois, la crise du coronavirus a frappé violemment notre pays, et en première ligne, la Seine-Saint-Denis. J'ai une pensée pour toutes les personnes décédées des suites de cette maladie, mais également pour toutes celles et ceux qui continuent de lutter contre celle-ci au moment où nous parlons. Une pensée également pour nos soignants, qui, je le reconnais, ne supportent plus d'avoir l'impression de ne pas être récompensés pour leurs engagements. J'espère que le Ségur de la santé organisé par le gouvernement mettra en œuvre des propositions fortes et des moyens pour notre hôpital public, notre bien le plus précieux. Je salue, Monsieur le Maire, votre volonté de permettre aux élus d'opposition que nous sommes
d'être au courant des actions menées pendant le confinement et de nous avoir réunis une fois par semaine. Si dans leur immense majorité, les Gervaisiens ont fait preuve de civisme pendant ce confinement, nous avons constaté malheureusement quelques comportements inciviques et le manque de respect des gestes barrières dans une grande surface de la ville, plus fréquentée qu'à l'ordinaire, en raison de la fermeture du marché couvert. Dans les mois et les années à venir, je m'inquiète d'une non-réorientation des dépenses de notre ville vers un plan de relance et vers une concentration exclusive sur la sortie de crise. Vous avez été élu sur la base d'un programme de 80 propositions, dont aucune ne prend en compte la crise du Covid-19. Il est donc aujourd'hui obsolète, puisque la crise que nous vivons impactera fondamentalement notre commune au moins durant les deux prochaines années. Je ne vous en fais pas reproche, aucune des listes candidates, dont la mienne, n'a évoqué ce sujet pendant les élections municipales. L'heure est donc à la transparence. Les Gervaisiennes et les Gervaisiens qui vous ont élus ne savent donc pas aujourd'hui quelles sont vos priorités suite à cette crise du Covid-19 et quelles actions seront mises en place pour la suite de votre mandature. J'ai une pensée très forte pour tous les salariés, chefs d'entreprise, commerçants, restaurateurs, entrepreneurs, professions libérales du Pré-Saint-Gervais qui ont vu leur activité s'arrêter d'un coup entre le 14 mars et le 17 mars dernier. Avec le soutien du gouvernement, notre pays a limité la casse grâce au dispositif d'activité partielle qui a permis à plus de 11 millions de salariés de conserver leur salaire malgré l'arrêt du travail, grâce au fonds de solidarité distribué à 57 224 entreprises ou entrepreneurs de Seine-Saint-Denis pour un montant de 80,24 millions d'euros. Le prêt garanti par l'État, abondé à hauteur de 500 milliards d'euros, également pour aider nos entreprises, sans oublier les mesures de report de charges sans précédent dans l'histoire économique de notre pays. Le président de la République et le Premier ministre furent là pour nos entreprises et elles seront là pour la relance économique. Car bien évidemment, une crise sanitaire tue, mais la pauvreté qu'entraînerait une grande crise économique peut être tout autant dangereuse. Malheureusement, notre territoire, Est Ensemble, n'a pas été assez présent pour nos entreprises. Bien qu'une plateforme d'écoute pour les entreprises ait été mise en place, ce n'est pas suffisant. Monsieur le Président Combe, je crois fortement, comme vous, en l'intercommunalité. Il faut que le moment que nous vivons soit l'occasion de prouver qu'Est Ensemble est efficace et utile, mais surtout présente pour nos entreprises et nos salariés. Comme nous l'avions proposé, il est aujourd'hui plus qu'urgent de prévoir une annulation de la CFE cette année. C'est une demande très forte des entreprises. Monsieur le maire, au niveau de la ville également, il faut agir. Reprenez le plus rapidement possible contact avec nos fournisseurs que l'on doit aider dans cette période. Et surtout, reprenez les marchés publics rapidement pour permettre à nos entrepreneurs de reprendre le travail. Il y a un mois, avec le comité Le Prêt en Marche, nous vous avions fait des propositions. Toutes ne sont plus d'actualité, mais certaines doivent être prises en compte. En termes de mobilité notamment, la région Île-de-France a prévu un vaste plan de pistes cyclables de 650 km. Or, notre commune est la grande absente de cet immense plan vélo. C'est une véritable zone blanche en la matière. Qu'attendez-vous pour mettre en œuvre au Pré-Saint-Gervais des pistes cyclables dignes de ce nom et de suivre les préconisations de Paris-Ancelle ? Aujourd'hui, les trois stations Vélib de notre ville sont quasiment toujours vides alors qu'elles sont largement subventionnées par de l'argent public. Pour l'avenir, au Pré-Saint-Gervais, les chantiers sont grands. Et tout ce temps que nous sommes, nous avons arpenté des mois durant notre ville pour échanger avec les Gervaisiens, comprendre leurs attentes et leur faire des propositions. Bien que le résultat peut être considéré sans appel, celui-ci détonne avec la colère qui existe au Pré-Saint-Gervais. C'est une colère du quotidien qui anime nos concitoyens. L'impression de passer à côté des transformations nécessaires de notre ville, l'impression de ne pas être écouté ou concerté, l'impression que l'absence totale de transparence dans cette ville cache en réalité une politique de copinage insupportable en 2020, l'impression d'invulnérabilité des caïds de la place Séverine qui ruine notre ville avec un trafic de drogue qui a repris de plus belle et qui brûle notre ville à petit feu jour après jour. Monsieur le maire, la place Séverine doit être votre priorité. Il est l'heure de casser la dynamique mortifère du trafic de drogue et de faire appliquer la loi contre les rodéos sauvages, de prendre des mesures d'urgence contre les incivilités, contre les violences, contre les nuisances sonores ou les chiens dangereux baladés sans laisse. Vous avez promis de tout refaire, place Séverine. Ne décevez pas les Gervaisiens. Pour avoir défendu une proposition similaire sur ce sujet, je voterai toutes les mesures utiles pour en finir avec le chaos de la place Séverine. Monsieur le maire, vous avez l'opportunité de changer radicalement de méthode au Pré-Saint-Gervais. Malheureusement, cela a mal commencé dès le lendemain de votre élection. Et j'attends des clarifications sur ce sujet. Le 16 mars dernier, vous et Madame Awakone avez démissionné de la métropole du Grand Paris pour laisser vos places de titulaire et de suppléant à M. Gérard Combe et à Mme Mélanie Benoliel. Lorsque les électeurs ont mis votre bulletin de vote, c'est vous, Monsieur le maire, qui voulez voir défendre nos intérêts à la métropole du Grand Paris. Comment expliquez-vous cet abandon de poste dès le premier jour, alors que plus que jamais, il est urgent que notre ville s'inscrive dans une dynamique métropolitaine? Et vous privez notre ville de cette dynamique par cette démission. Il est important que les Gervaisiennes et les Gervaisiens le sachent, mais il est important que vous nous apportiez des explications dès aujourd'hui, bien que ce ne soit plus à l'ordre du jour, comme cela a été prévu lors du Conseil municipal du 20 mars. Des sujets importants ont structuré la campagne électorale.
votre talon d'Achille, votre fardeau, qui vous suivra jusqu'à la fin de votre mandat, le projet d'aménagement de la friche Busseau. Je vous le redis ici, monsieur le maire, ma position n'a pas bougé sur le projet d'aménagement de la friche Busseau. Cette période de confinement a plus que jamais révélé le besoin de nature, d'espace vert, mais surtout de dédensification du Pré Saint-Gervais. Le compromis réalisé, 3000 m² d'espace vert pour 1 euro plutôt que 5000 m² pour plusieurs millions d'euros, c'est une belle affaire d'un point de vue économique, mais ce n'est pas une belle affaire d'un point de vue écologique. L'enjeu, ce n'est pas que uniquement l'espace vert, c'est quelle qualité d'espace vert nous voulons, quelle place sera faite à la biodiversité. Mais surtout, monsieur le maire, vous prenez le risque de faire venir des centaines d'habitants supplémentaires en construisant encore et toujours de nouveaux logements pour toujours plus d'artificialisation et pour des nouveaux logements qui iront bien évidemment, pour la plupart, à des nouveaux locataires ou à des nouveaux propriétaires. Et comme je l'ai répété depuis le début de ma campagne, nous risquons d'arriver à un stade de profond déséquilibre entre habitants et équipements. Car mécaniquement, plus il y a d'habitants dans une ville, plus on fragilise le service public. Et plus il est difficile d'obtenir, par exemple, une place en crèche ou une activité de qualité pour ses enfants. L'exemple même du retour à l'école depuis le 18 mai est flagrant d'échec. 158 enfants seulement ont pu être accueillis dans les écoles du Pré-Saint-Gervais, sur près de 1500 élèves, dont 500 élèves qui avaient eu besoin de recevoir un chèque alimentaire. Cela interroge sur les capacités d'accueil de nos écoles. Je n'ose imaginer leur état de saturation lorsque de nouvelles familles arriveront dans notre ville. Enfin, la crise sociale qui nous attend sera rude, et c'est au niveau départemental que tout doit se jouer. Malheureusement, je sais que nombre de socialistes et communistes d'entre vous sont d'accord avec moi, notre département est absent et inaudible sur sa politique sociale. Il est temps que les Gervaisiennes et les Gervaisiens prennent conscience de l'importance de ce futur scrutin. Je m'y impliquerai personnellement et avec toute mon énergie pour y représenter nos concitoyens. Mesdames, Messieurs les élus, pour la plupart d'entre vous, il s'agit de notre premier mandat en politique. Soyons-en fiers, le renouvellement des visages de cette Assemblée est une bonne nouvelle pour cette ville. Mais votre fraîcheur politique ne doit pas devenir une vassalité. Soyez libres d'agir en votre âme et conscience et à rejoindre l'opposition dans les combats nécessaires. Pour ma part, je me considère aujourd'hui seul face à 32 conseillers municipaux, tous de la même sensibilité politique. Vous êtes d'accord entre vous sur tout et tout le temps. Vos programmes sont les mêmes et chacun d'entre vous est l'assurance vie de son voisin. J'espère pour cela avoir la possibilité de créer un groupe, même en étant seul. Je serai un opposant constructif et présent pour vous pousser à faire le meilleur et surtout, je porterai la voix des électeurs gervaisiens qui nous ont accordé leur confiance. Il faudra accepter la contradiction, accepter de reconnaître les torts quand c'est le cas. Car j'en suis sûr, monsieur le maire, nous pourrons travailler ensemble dans la bonne entente et au service des Gervaisiennes et des Gervaisiens. Monsieur le maire, cher Laurent, en tant que républicain, je te félicite pour ton élection. Prends conscience du poids qui t'incombe suite à la décision du suffrage universel. Je vous félicite tous, bien évidemment, d'avoir fait vivre la démocratie au Pré-Saint-Gervais. Et je vous félicite pour vos élections. Je vous remercie. Très bien, je vous remercie. Je vérifie quand même, vous allez bien présenter votre candidature. D'accord. Oui. Merci bien. Bon, enfin, je propose à M. Fage d'exposer la candidature de Mme Mariama Lescure. Tout à fait. Bon, les résultats du vote du 15 mars s'imposent à nous en attendant le résultat du recours déposé par Delphine Debord, tête de la liste citoyenne. Nous formons le vœu que le fort taux d'abstention, le nombre historique de listes et la majorité obtenue de 7 voix inciteront la nouvelle majorité à l'humilité et à la prise en compte de toutes les sensibilités pour les 6 ans à venir. Nous militerons à cet effet pour qu'au sein du Conseil municipal, les valeurs démocratiques vivent. Il est plus que temps que tous les conseillers municipaux débattent des projets et ne se contentent pas de les approuver. Il faut une discussion libre entre conseillers, nourrie d'arguments élaborés dans des commissions qui auront travaillé en disposant de toutes les informations et qui pourront et sauront s'entourer de tous les conseils nécessaires. Nous souhaitons un travail d'équipe dans tous les domaines. La confrontation des idées est nécessaire pour élaborer des propositions, puis choisir. Pour notre part, nous appelons à ce que tous les projets soient examinés et évalués pour leur contribution aux valeurs d'écologie, de citoyenneté et d'égalité. Valeurs qui sont celles de la gauche autrement depuis la création en 1995 de cette association de citoyens. Et valeurs plus que jamais d'actualité. Nous espérons sincèrement que tous les élus auront à cœur d'assumer leurs fonctions avec le souci d'ouverture dont l'action municipale a grand besoin. Nous comptons sur le futur maire pour que cette nouvelle Assemblée fonctionne en toute transparence et surtout de façon collective. C'est le moment pour que le débat soit approfondi, large, ouvert à la population et animé par les moyens de communication de la ville. Des habitants de la ville,
Des associations ont aidé la population à vivre confinée et à en sortir. La ville a déployé un certain nombre de moyens et d'outils. Cet élan de solidarité individuelle et collective doit se poursuivre. C'est le moment de se demander comment, chacun et tous ensemble, nous pouvons agir. Merci. Très bien, je vous remercie. Et maintenant, je vais inviter M. Farid Aïssani à bien vouloir présenter la candidature de M. Laurent Baron. Oui, bonjour à tous. Alors, au nom du groupe des élus socialistes, écologistes et citoyens engagés, permettez-moi d'abord, ça a été fait, d'avoir une pensée pour toutes celles et tous ceux qui nous ont quittés ces derniers temps. Je pense notamment à deux camarades, à Christian et Rinaldo, dont la perte a laissé leurs camarades dans une peine immense et leur famille dévastée. Une pensée plus large à toutes celles et tous ceux qui ont été touchés par cette maladie auprès Saint-Gervais, en France et dans le monde entier. Qu'il me soit permis de rendre hommage, un hommage appuyé, respectueux, à toutes celles et tous ceux qui ont fait vivre le service public dans cette période et permis et nous a permis de rester debout, ainsi qu'à notre pays. Je pense notamment à ces infirmiers, infirmières, médecins, ces aides-soignants, ces pompiers, policiers, éboueurs, incarnation vivante du service public qui ont rempli leur mission, parfois, pourrait même dire souvent, au péril de leur vie. Permettez-moi de remercier en plus de ces agents, tous ces salariés qui, très souvent mal rémunérés, ont continué à se rendre au travail et nous ont permis de nous nourrir. Je pense aux caissiers, caissières, livreurs, chauffeurs routiers, ouvriers, ouvrières, agriculteurs. Plus proche de nous, permettez-moi d'exprimer au nom de la liste le prêt au cœur. Toute notre gratitude aux agents municipaux, au maire sortant Laurent Baron et son équipe municipale sortante, à son administration et à tous les membres de son cabinet qui se sont fortement mobilisés chacun laissé et ont su préserver l'essentiel, permettre de continuer à vivre, protéger les plus faibles, fournir des masques, apporter des repas aux plus fragiles, accueillir les enfants de ceux qui nous soignaient pendant ces moments difficiles. Enfin, je voudrais remercier les Gervaisiennes et Gervaisiens qui nous ont placés très largement en tête. Au-delà de ces électeurs, de la liste Le Pré au cœur, c'est à l'ensemble des électrices et des électeurs, quel que soit leur choix électoral, que nous souhaitons vivement remercier pour avoir d'abord participé à cet exercice très important, primordial, de démocratie locale. Alexis de Tocqueville écrivait à juste titre « Sans institutions communales, une nation peut se donner un gouvernement libre, mais il n'a pas l'esprit de liberté ». Certes, le taux de participation a été légèrement inférieur à 2014. Et cette baisse doit interroger les politiques que nous sommes, le contexte sanitaire et les messages contradictoires, ça a été dit, de l'exécutif ne sont pas étrangers à ce reflux, que l'on a constaté d'ailleurs pas seulement auprès Saint-Gervais, on l'a constaté sur l'ensemble du territoire national. Intéresser nos concitoyens à la vie de la cité, à la vie politique, les faire participer à cette dernière doit être un but que doivent s'assigner tous les groupes ici présents. Le nôtre s'y engage et s'engage à œuvrer justement pour redonner envie à ces 100 voix. Cette victoire au municipal, comme beaucoup de victoires électorales, et contrairement à ce que l'on croit trop souvent, s'est construite non pas, comme ça a été dit ici, dans la dénonciation de ce que sont ou ne sont pas les listes concurrentes. Si cela a été fait, ça n'a jamais été au nom de la liste Le Pré au cœur. Mais ça s'est fait dans l'affirmation sans complexe de ce que nous sommes. Justement, que sommes-nous ? Nous sommes un regroupement, un collectif de femmes et de gauche, de femmes et d'hommes, qui nous sommes rassemblés sur des bases claires, des valeurs communes, qui sont celles de la gauche.
Militant politique, socialiste, communiste, écologiste, associatif, citoyenne et citoyen engagé, nous avons en commun et en partage, et avec tout le reste du groupe, le Pré Saint-Gervais. Ce rassemblement, le nôtre, se fait dans la clarté. Nos étiquettes politiques ne sont pas dans nos poches. Elles ne sont pas cachées. Et nous déclarons appartenir, et nous le déclarons fermement, appartenir à une famille politique, celle de la gauche républicaine et désormais écologiste, en opposition à la politique gouvernementale. Actuelle, en tout cas. Cette clarté et cette cohérence sont les ferments de notre victoire. Car après des années de confusion, nos concitoyens ont besoin de repères et ont besoin de plus de collectifs. Nous en convenons. Cette victoire nous oblige autant, si ce n'est plus, qu'elle nous honore. Nous avons donc l'intention de faire ce pour quoi nous avons été élus et de mettre en œuvre le programme pour lequel ont voté les Gervaisiennes et les Gervaisiens. Parce qu'il y a des moments, j'ai l'impression, on repart en campagne, ici en tout cas dans cette salle. Ce programme repose sur un double constat. L'urgence écologique et sociale et le refus de hiérarchiser ces deux questions. Le phénomène transitionnel est désormais trop lent pour nous permettre d'éviter les catastrophes à venir. C'est pourquoi nous proposons une véritable révolution de la nature en ville. Et parce que nous sommes conscients que cette révolution ne peut se faire au détriment des plus faibles, mais au contraire, dans leur intérêt, nous entendons ne laisser personne au bord du chemin et permettre à tous et à toutes de trouver leur place au Pré Saint-Gervais, leur donner les moyens de l'émancipation et de l'épanouissement. Certains se sont d'ailleurs moqués. Loin de nous démotiver, cela n'a fait que renforcer notre volonté. Nous nous fixons un objectif ambitieux que devrait se fixer toute conscience de gauche conséquente, plus un seul enfant du pré sous le seuil de pauvreté en 2026. Enfin, les Gervaisiennes et les Gervaisiens ont aussi voté pour une méthodologie, pour un nouveau pacte citoyen qui repose sur la confiance. Cette méthodologie, nous y tenons. Nous l'avons éprouvée dès la construction programmatique en réunissant nombre de citoyens. Nous voulons l'étendre aux affaires municipales et refonder le lien qui lie la municipalité aux Gervaisiennes et aux Gervaisiens. La participation citoyenne est la clé de la lutte contre l'abstention. Chacun le sait. Ce que nous voulons, c'est permettre à l'initiative citoyenne de trouver sa place dans l'action municipale. Ce que nous voulons, c'est refonder la vie associative pour que la ville soit une ressource pour cette dernière. Alors il nous faut, soyez sûrs, d'abord, que nous ferons tout pour appliquer le programme pour lequel nous avons été élus. Soyez sûrs que notre candidat saura agir pour améliorer la vie de chacun dans le cadre des valeurs chères à la gauche et aux écologistes. Il nous faut désigner un candidat. Le nôtre est connu. Il n'y a pas de mystère, mais c'est à moi que revient l'honneur de présenter sa candidature. Aussi, j'entends le faire du mieux possible. Laurent Baran est celui qui a permis et voulu ce rassemblement, notre rassemblement. Il a permis à des appareils politiques de se rencontrer, à des militants et des citoyens de se parler, de débattre, de penser le monde et le Pré Saint-Gervais. Je l'en remercie. Homme de gauche, qui sait qu'il ne s'agit pas uniquement d'un corpus idéologique, mais aussi d'une praxis. Nous serons au rendez-vous. Il l'a déjà prouvé d'ailleurs pendant 18 mois, mais élu aujourd'hui sur son nom propre et sur un programme clair, il sait la tâche et la responsabilité qui est la sienne. Son humanité, sa capacité d'écoute, elle a été citée là. Et l'expérience déjà accumulée lui permettront de relever ce défi. Il sait qu'il peut compter sur le groupe que je préside pour l'aider. J'ai donc l'honneur
de présenter Monsieur Hervé Affrine, Monsieur le doyen, la candidature de Laurent Baron à la charge de premier magistrat de la ville. J'ai l'honneur de demander vos suffrages pour que Laurent Baron soit le prochain maire du Pré-Saint-Gervais, et merci. Très bien. Très bien, je vous remercie. Alors ainsi, nous avons les candidatures de Monsieur Laurent Baron. Pardon ? Ah, excusez-moi. Au nom du Parti communiste, on voulait bien dire quelque chose ? Bien sûr. Mesdames et messieurs les élus, chers collègues, au nom du groupe communiste largement renouvelé, je tiens tout d'abord à saluer la victoire de la liste du Pré au cœur, qui compose aujourd'hui la nouvelle majorité municipale. Cette élection au premier tour vient saluer une campagne dynamique et riche de la diversité de cette ville sur un programme de justice sociale et écologique. La confiance placée en nous par les Gervaisiennes et les Gervaisiens nous confie de grandes responsabilités dans cette période particulière. En effet, durant cette épidémie et ce confinement, pendant lequel les habitants de notre territoire ont eu un comportement exemplaire à mille lieues des clichés fréquemment véhiculés, la Seine-Saint-Denis, territoire le plus jeune de France métropolitaine, a paradoxalement été un des plus durement touchés par l'épidémie de Covid-19 parce qu'il était aussi le plus pauvre. Cette épidémie a indéniablement été une épidémie de classe. Elle a touché dans leur chair nos aînés et celles et ceux dont la santé était la plus précaire, car leur situation sociale, leurs conditions de vie étaient les plus dégradées. Elle a aussi exposé celles et ceux nombreux dans notre département qui sont les premiers de corvée, contraints de risquer leur vie pour continuer à travailler dans cette période. Notre ville a aussi été marquée par de nombreuses initiatives de solidarité concrètes, vivantes, qui font sa force et sa richesse. Nous tenons ainsi à saluer ici l'action de celles et ceux qui, dans cette période, ont fait vivre cette solidarité, venant pallier les carences d'un État délibérément affaibli durant ces dernières décennies. Nous pensons ici particulièrement aux bénévoles et militants associatifs et à celles et ceux qui, bénévolement, se sont lancés dans la fabrication de masques, entre autres. Nous souhaitons aussi rendre hommage dans notre ville à l'action déterminante des agents des services municipaux et du CCAS qui ont été des acteurs essentiels du service public, notamment à destination des plus pauvres, des plus isolés et des plus fragiles. Ainsi qu'aux enseignants et au personnel des crèches, garants aujourd'hui plus que jamais du lien social et de l'égalité. Nous renouvelons enfin avec plus de force encore notre soutien au personnel de l'hôpital public en lutte pour la survie de celui-ci, comme par exemple à l'hôpital Robert Debré. Cette crise a révélé les inégalités qui traversent notre pays et notre territoire, a exposé au grand jour la vulnérabilité des plus fragiles d'entre nous. Elle a aussi mis au jour de manière plus criante encore le caractère nuisible et injuste des logiques capitalistes à l'œuvre encore plus violemment aujourd'hui qu'hier. Notre responsabilité première en tant qu'élus devra d'être aux côtés des Gervaisiennes et des Gervaisiens qui pâtiront de plein fouet de la crise qui s'annonce et produit déjà ses premiers effets. Ils et elles ne doivent pas être les oubliés du Pré-Saint-Gervais de demain. Les circonstances présentes appellent en outre aujourd'hui plus que jamais à la plus large union de toutes les forces citoyennes, sociales, syndicales et politiques de gauche pour répondre d'abord à la crise économique et à la crise sociale qui s'annonce et pour participer à faire advenir le jour d'après, à faire renaître les jours heureux par la nécessité d'un changement de modèle attendu par tant de nos concitoyens. Il faut dépasser le stade de la prise de conscience et bâtir dès aujourd'hui, à l'échelle de notre ville, un nouveau modèle social, démocratique et écologique. Cette union des citoyens et de la gauche sur des valeurs partagées, elle s'incarne dans la majorité de ce conseil municipal, par la diversité des engagements de celles et de ceux qui la composent. Nous en serons des partenaires actifs, vigilants et engagés, et c'est pourquoi nous soutenons la candidature de Laurent Baron en qualité de maire du Pré-Saint-Gervais. Merci. Voilà. Je vous prie d'excuser ma précipitation de tout à l'heure et je vous remercie. Mais à vouloir bien faire, parfois. Bon, alors donc, pour reprendre maintenant les candidatures, j'ai donc noté que se présente
à la fonction de maire M. Laurent Baron, Mme Mariama Lescure, M. Alexandre Sada, M. Grégoire Roger. Quant à Mme Delphine Debord, j'ai noté qu'elle a quitté la séance et ne participera pas de ce fait au vote. Et ne sera pas candidate. Alors, maintenant, je vais appeler nos deux plus jeunes élus de cette Assemblée, Mme Myriam Adouche et M. Adel Benhamed, qui vont exercer les fonctions d'assesseurs. Et signaler que sur les tables, l'administration a déposé une enveloppe et deux bulletins. Un bulletin pré-imprimé au nom de Laurent Baron et un bulletin blanc sur lequel vous pourrez noter le nom du candidat que vous souhaitez voir élu. Alors, je vous rappelle que le bulletin doit être préalablement glissé dans l'enveloppe avant d'être déposé dans l'urne et que seuls les bulletins qui n'auront pas de mention particulière, qui ne sont pas raturés, etc., seront pris en considération, les autres bulletins étant alors considérés comme nuls. Je vais donc maintenant appeler chacun d'entre vous de manière à ce que vous veniez déposer votre bulletin dans l'urne. Au besoin, si vous le souhaitez, vous pouvez auparavant passer par l'isoloir. Et vous avez un petit distributeur à gel, si vous souhaitez l'utiliser. Alors, je vais donc appeler M. Laurent Baron à bien vouloir introduire son bulletin dans l'urne. Madame Awa Koné. Monsieur Stéphane Commin. Madame Clotilde Chauffru. Monsieur Tristan Martin, Théodore Chèque. Madame Emma Antropoli. Monsieur Jean-Abel Pécaud. Madame Marlène Douane. Monsieur Jean-Marc Robinet. Madame Coralie Cocheteux. Excusez-moi. Hervé Affrine. Monsieur Gérard Combe. Madame Sylviane Blin.
Monsieur Farid Aïssadi. Monsieur Serge Robineau. Madame Julia. Madame. D'accord, je vais dire. Madame Julia Seguiri. Madame Manuela Briscan, absente. Absente. Madame Sarah Tjeldrup. Madame Elena Estève. Monsieur Abdelouab Kouissi. Asmaou Beled. Madame Asmaou Beled. Monsieur Mohamed Yamboud, pardon. Je suis troublé. Madame Mélanie Benoliel. Monsieur Mehdi Salemkour. Monsieur Adel Benhamed. Madame Myriam Hadouche. Monsieur Saïd Sadawi. Madame Anna Coulon. Monsieur Grégoire Roger.
Madame Maria Malescure, qui est représentée ici par M. Dominique Fage. Puis M. Dominique Fage. Monsieur Alexandre Saada. Merci. Bien. L'ensemble des conseillers ayant voté, il va pouvoir être... Pardon ? Ah oui, oui. Alors autant pour moi. Madame Delphine Debord. Et nous constatons que Madame Delphine Debord, je dirais, a bien quitté la séance. Bien. Donc maintenant, il va pouvoir être procédé au dépouillement. Et donc je vais rejoindre les deux assesseurs à cet effet. Bien, je vous en prie. Les enveloppes sont donc déposées sur la table. Et pour procéder au dépouillement en veillant aux règles de distanciation, un des assesseurs va ouvrir l'enveloppe, présenter le bulletin qui va être lu par le second assesseur et qui enregistrera le vote en question. Laurent Baron. 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 Mariama Lescure. C'est Mariama Lescure. Mariama Lescure. Mariama. Laurent Baron. Laurent Baron. Laurent Baron. Laurent Baron. Laurent Baron. Laurent Baron. Alexandre Saada.
Mariama Lescure. Grégoire Roger. Grégoire Roger. Laurent Baron. Laurent Baron. Grégoire Roger. Laurent Baron. 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 Je vous annonce donc les résultats. 31 conseillers ont participé à l'élection. Dans l'urne, 31 bulletins ont été trouvés. Il n'y a aucun blanc et aucun nul, donc le nombre de suffrages exprimés a été de 31. Sur ces 31 votes, M. Laurent Baron a recueilli 25 suffrages. M. Grégoire Roger, 3 votes. Madame Maria Malescure, 2 suffrages, et Monsieur Alexandre Sada, 1 vote. En conséquence de quoi, Monsieur Laurent Baron a été élu maire de ce conseil municipal et de la ville.
Gervaisiennes, Gervaisiens, chers élus, chers agents, merci à toi Hervé, le doyen de cette Assemblée, d'avoir présidé l'ouverture de ce premier conseil municipal de la mandature 2020-2026. Je saisis ton émotion, celle de retrouver cette mairie qui t'est si familière. Merci à vous Myriam, Adèle, pour avoir aux côtés d'Hervé participé à la bonne tenue de ce scrutin. Vous le voyez, nous pouvons nous féliciter d'avoir une assemblée à l'image du Pré-Saint-Gervais, dans la diversité de ses générations. Cette émotion, je la partage. C'est avec beaucoup de fierté que je prends aujourd'hui mes fonctions de maire. Quel immense honneur de devenir maire d'une ville où je me suis construit et à laquelle je suis profondément attaché. Et en cet instant si particulier, je pense à toutes ces grandes figures qui m'ont précédé. Car préparer l'avenir, c'est s'appuyer au présent sur l'expérience de l'histoire. Alors, je tiens à rendre hommage à Jean-Baptiste Samanaz, premier maire socialiste de notre commune. Edmond Pépin, homme de conviction et grand repère dans l'histoire du mouvement sportif local. Marcel Debarge, à qui je dois beaucoup aujourd'hui. Vous savez tous l'anecdote qui me lie à ce grand militant syndicaliste et à cette figure historique du Pré-Saint-Gervais. Claude Bartolone, l'enfant de Tunis, qui a montré que le Pré-Saint-Gervais est la terre de tous les possibles, en devenant, avec sa force de conviction ancrée à gauche, maire, député et ministre, puis président de notre département, puis président de l'Assemblée nationale. Gérard Combes, ou plutôt mon ami Gérard, ton humilité, ton investissement sans faille au service de notre ville, ton engagement passionné pour les autres force mon respect et inspire l'exemplarité. Exemplarité, en disant cela, je repense à François Mitterrand, qui aimait rappeler que l'on n'apprend rien par la parole, mais tout par l'exemple. Alors, si le Pré-Saint-Gervais est une ville pour tous, où chacun se sent bien et où chacun trouve sa place, c'est par l'action exemplaire de ces grands hommes. Et je suis fier, très fier d'inscrire mes pas dans ceux de ces grands hommes. Je salue aussi l'engagement au service de notre ville des élus sortants. Dounia Meta Becha, Anna Angeli, Laetitia Decnut, Claude Bartolone, Harold Jandia, Michel Nijan, Rosemarie Augustin, Mina Eltmetassi, Loredane Clairet, Nathalie Lecomte, Corinne Azzori, Julien Renaud, Georges Incerti Formantini, Catherine Cyr, Serge Volkoff, Jean-Marc Mériot, Martine Legrand, Jean-Luc Decobert, Cédric Guillou, Hortense Divetin, Tuvane Blanchard, Christine Frelan. Gervaisienne, Gervaisien, chers collègues, dimanche 15 mars, 3781 Gervaisiennes et Gervaisiens se sont présentés aux urnes, dans un contexte particulier, celui d'une crise sanitaire sans précédent. Je tiens à saluer le professionnalisme de nos agents communaux et à saluer la mobilisation citoyenne des présidents de bureaux de vote, des assesseurs, des scrutateurs. Tous ont permis à ce scrutin de se tenir dans les meilleures conditions sanitaires démocratiques. 1807 électrices gervaisiennes et électeurs gervaisiens nous ont accordé leur voix. Je leur adresse ma plus profonde gratitude. C'est par la volonté que je me retrouve ici devant vous. J'en mesure pleinement l'exigence, ne pas les décevoir, ne pas vous décevoir. Par leur confiance, ils ont fait de nous ces élus de la République déterminés à mettre en œuvre le projet pour lequel ils ont voté. Un projet de gauche. Je veux remercier ici tous les militants et sympathisants communistes, socialistes et Parti radical de gauche qui se sont engagés à mes côtés. Oui, il y a dans notre paysage politique, au niveau national comme à l'échelle municipale, une gauche qui sait se rassembler sans se renier pour agir et relever les défis qui s'imposent à nous. Et je suis fier que le Pré-Saint-Gervais, cette terre socialiste, ait montré ce chemin. Fier aussi d'avoir associé à cette démarche de rassemblement des citoyens, des écologistes,
qui se retrouve dans cette détermination à conjuguer justice sociale et justice climatique. Rassemblement, voilà l'état d'esprit qui m'animait hier en tant que candidat. Voilà l'état d'esprit qui m'anime aujourd'hui en tant que maire. Je suis aujourd'hui le maire de toutes les Gervaisiennes et de tous les Gervaisiens, y compris celles et ceux qui ont fait le choix d'un autre candidat. Je suis aujourd'hui le maire de toutes celles et de tous ceux qui, n'ayant pas la nationalité française, n'ont pas pu voter dimanche 15 mars. Ils peuvent compter sur moi pour continuer de mettre à leur service toute la puissance de l'action municipale, car il n'y aura jamais de citoyens de seconde zone. Je suis aujourd'hui le maire de toutes celles et de tous ceux qui n'ont pas voulu voter parce qu'ils sont déçus des élus. Je veux leur redonner la confiance et l'espérance indispensables pour que demain, ils reprennent de manière convaincue le chemin des urnes. Je le redis, je suis le maire du Pré-Saint-Gervais dans sa diversité, de sa population et de ses quartiers. Chers élus de la majorité, je veux m'adresser à vous. Le sens du collectif, l'écoute et le dialogue ont été au cœur de la campagne que nous avons menée ensemble. Ce sera désormais la philosophie de l'action municipale qu'ensemble nous allons mener. Et je suis convaincu de la force et de la puissance du travail collectif. C'est ma conception du rôle de maire. Fédérer, rassembler et unir. Réunir toutes les énergies, toutes les intelligences, tous les talents au service du Pré-Saint-Gervais et des Gervaisiens. Dans cette campagne, je n'ai pas misé sur je ne sais quel ressentiment, je ne sais quelle rancune. Je n'ai pas non plus pratiqué les surenchères ou flatté les sentiments médiocres. Non, j'ai voulu m'adresser à ceux qu'il y a de meilleur en chacun de nous. J'ai voulu m'adresser à ceux qui nous rassemblent et non à ceux qui nous divisent. Oui, je le répète, je veux le meilleur pour la ville du Pré-Saint-Gervais, car elle le mérite. Je vous demande donc à vos tours de donner le meilleur de vous-même pour le Pré-Saint-Gervais et pour les Gervaisiens. Nous avons en partage des valeurs, elles sont de gauche. Nous les assumons pleinement. Nous croyons à la force du progrès, à la nécessité de la solidarité et à l'importance de la justice. Nous agissons pour l'égalité, c'est-à-dire une société où les destins ne seraient ni décidés ni figés dès les premiers jours de la naissance. Ces valeurs, nos valeurs, nous les assumons d'autant plus que nous les porterons haut et fort tout au long de ce mandat, comme nous les avons défendues tout au long de cette campagne. Avec l'installation de cette nouvelle municipalité, je veux cependant vous mettre en garde. Les temps de la campagne électorale sont révolus. Les débats militants ou partisans cèdent désormais à l'exigence d'être au service de nos concitoyens, de tous nos concitoyens. J'y serai particulièrement attentif. Le Pré-Saint-Gervais doit rester cette ville où chacun trouve sa place. Oui, maire de tous les Gervaisiens, je veillerai à ce que la mairie, dans son action au quotidien, reste la maison commune. Cet impératif doit être le vôtre. L'intérêt général représente désormais la pierre angulaire de notre engagement d'élu local. Certains se voient confier des délégations. Une délégation n'est pas une distinction, c'est une obligation. Une obligation de responsabilité et de résultat. Celle de montrer que l'action locale change le quotidien des Gervaisiens et répond à leurs attentes. Chers élus d'opposition, je veux aussi m'adresser à vous. Nous avons des divergences et nous les avons exprimées tout au long de cette campagne. Je veux saluer la campagne digne et républicaine que vous avez menée. Vous étiez hier tête de liste ou colistier. Vous êtes aujourd'hui conseillers municipaux d'opposition. Je crois profondément à la valeur démocratique de l'opposition. Vous devez pouvoir pleinement exercer votre rôle. Mais je veux faire rimer opposition avec construction. C'est pourquoi je prendrai des mesures pour vous permettre de siéger dans certaines instances municipales. Je vais même aller plus loin. Cette crise, par son ampleur, rend indispensable notre unité. L'unité, la gestion de cette crise, nous la devons à toutes celles et tous ceux qui nous ont quittés.
Cette unité, nous la devons aussi à tous ces soignants, à tous ces enseignants, à toutes ces forces de police et de secours, à toutes celles et tous ceux qui ont su faire preuve d'unité pour surmonter l'épidémie. Depuis le début de cette épidémie, j'ai réuni régulièrement les présidents de groupe, mais aussi les têtes de liste qui composent aujourd'hui ce nouveau conseil municipal. Collectivement, nous avons discuté des mesures prises, nous avons même envisagé ensemble certaines pistes d'action. Cet état d'esprit, je veux le poursuivre et je vais le poursuivre. En tant que président de cette Assemblée, je veillerai à ce que les débats restent dignes et respectueux des idées et des personnes qui y siègent. Car c'est ici, au sein de ce conseil municipal, que les idées doivent se confronter, que les décisions s'approuvent ou se désapprouvent. Gardons à l'esprit que nos réflexions, nos décisions, nos actions doivent entièrement se tourner vers une seule finalité, le bien-être des Gervaisiennes et des Gervaisiens. Gervaisiennes, Gervaisiens, chers élus, j'ai longuement insisté sur la notion du rassemblement. Il est de notre notion que je veux introduire, ou plutôt maintenir, la solidarité. La solidarité, pour le dire simplement, c'est la valeur du cœur, et elle est au cœur de mon engagement. J'ai eu l'occasion de le dire, ce virus frappe. Condition que nous pourrons mieux ancrer notre mandat dans le quotidien des Gervaisiens et donc répondre encore plus efficacement à leurs attentes. C'est le sens du pacte citoyen que je vais fonder entre les élus et les habitants. Ce pacte citoyen, il ne vient pas affaiblir ou menacer l'action politique des élus, à qui il reviendra toujours de décider. Ce pacte citoyen, il garantit la confiance entre les élus et les habitants. J'évoquais donc notre projet. Aujourd'hui, il représente notre feuille de route pour le mandat qui s'ouvre à nous. Notre feuille de route, elle est claire, elle est tracée. Elle repose sur ce socle: répondre à l'urgence climatique et lutter contre les inégalités. Comment ? En appliquant les 80 propositions que nous avons présentées aux Gervaisiens durant la campagne. Je ne vais pas ici les rappeler ou les présenter. De toute façon, il ne s'agit plus de les présenter. Il faut désormais les réaliser, car nous serons jugés dans 6 ans sur notre capacité à les avoir tenus.
J'en profite pour adresser un message à l'ensemble de nos agents. Durant ces longues semaines de peur et de douleur, ils se sont montrés à la hauteur de leur plus belle mission, celle qui permet de sauver, de protéger, d'accompagner et d'aider au quotidien. C'est une fierté pour le maire, mais aussi pour les élus que vous êtes, de savoir compter sur un personnel municipal aussi soucieux de l'intérêt général. Alors, dans 6 ans, je veux que nous soyons jugés sur notre capacité à avoir fait du Pré-Saint-Gervais, cette ville inclusive et solidaire où tout le monde a sa place et qui répond aux besoins de tout le monde, cette ville résiliente face au changement climatique, cette ville apaisée où l'on peut faire du vélo, se promener, sortir son chien en toute tranquillité. Cette ville où la mixité n'est pas une leçon, mais une relation, celle de vivre les uns avec les autres. Oui, je veux que dans 6 ans, les Gervaisiennes et les Gervaisiens me disent qu'ils sont toujours et même encore plus fiers de vivre au Pré-Saint-Gervais. Voilà, je ne serai pas plus long. De toute façon, il n'est plus temps de parler, mais d'agir. Un dernier mot tout de même. L'épreuve que nous traversons est loin d'être terminée. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Il nous faut apprendre à vivre avec ce virus. Partout, ce virus nous suit et nous devons nous protéger et protéger les autres. Oui, partout. J'ai d'ailleurs en tête les images de ces enfants qui ont repris le chemin de nos écoles dans le respect du protocole sanitaire. Je mesure combien ça doit être difficile pour eux de ne pas pouvoir vivre l'école pleinement comme avant. Je repense notamment à ces enfants au réfectoire de l'école Jaurès, contraints de déjeuner sans amis, sans camarades à leur côté car il faut respecter les distances physiques. Ces images, je ne les oublie pas. Et vous savez, toutes et tous, ici l'importance que je donne à l'éducation, c'est-à-dire l'avenir de nos enfants. Alors, chers élus de la majorité, je l'attends. Efficacité. Chers élus de l'opposition, je la demande. Unité. Oui, efficacité et unité pour que nous puissions rendre cette épreuve supportable et surmontable. Nous le devons. Nous le devons pour tous ces enfants, pour nos enfants, pour vos enfants. Nous le devons pour toutes nos Gervaisiennes et tous nos Gervaisiens. C'est dans ces circonstances que nous leur redonnerons par notre action toutes ces lettres de noblesse à la politique. J'y serai exigeant, j'y serai vigilant. Voilà, j'en ai terminé pour de vrai. J'ai été un peu long, mais vous ne m'en voudrez pas, c'est l'unique conseil municipal de ce mandat. L'émotion de ce moment si solennel m'est source d'inspiration. Je vous remercie. Vive le Pré-Saint-Gervais, vive la République, vive la France. Nous allons passer à la délibération numéro 3. Mes chers collègues, il s'agit de désigner maintenant le nombre d'adjoints au maire. Au Pré-Saint-Gervais, la loi dispose que ce nombre ne peut dépasser 30% de l'effectif du conseil municipal, soit 9 maires adjoints. Il vous est proposé donc de fixer le nombre de maires adjoints à 9. Je précise que 6 autres élus recevront une délégation en tant que conseiller municipal délégué. Donc il y a un vote à main levée pour le nombre d'adjoints. Qui est contre le nombre de 9 maires adjoints? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Nous allons procéder maintenant à l'élection de ces adjoints au maire. Je vais ainsi récupérer les candidatures. Y a-t-il des candidatures pour les maires adjoints? Laurent
Je demandais aux listes d'opposition s'il y avait des candidatures déclarées. Non, très bien. La liste présentée par le Pré au cœur, la gauche et les écologistes avec Laurent Baron. Pour le poste de première maire adjointe, Awa Koné. Pour le poste de deuxième maire adjoint, Stéphane Commin. Pour le poste de troisième adjointe, Clotilde Chauffru. Pour le poste de quatrième adjoint, Tristan Martin. Pour le poste de cinquième adjointe, Emma Antropoli. Pour le poste de sixième adjoint, Jean-Abel Pécaud. Pour le poste de septième adjointe, Marlène Douane. Pour le poste de huitième adjoint, Jean-Marc Robinet. Pour le poste de neuvième adjointe, Coralie Cocheteux. L'élection du scrutin de liste se fait à bulletin secret, à la majorité absolue. Donc nous allons passer au vote. Les bulletins sont en train d'être distribués par l'administration. Nous les laissons finir le tour de l'Assemblée. Je vais appeler, mais est-ce que le micro fonctionne ? Oui, très bien, merci. Donc je vais appeler chaque conseiller pour le vote, Laurent Baron. Je suis allé un peu vite, pardon. Donc je commence. Laurent Baron. Merci. Awa Koné. Stéphane Commin. Clotilde Chauffru. Tristan Martin, Emma Antropoli,
Jean-Abel Pécaud. Marlène Douane. Jean-Marc Robinet. Coralie Cocheteux. Hervé Affrine. Gérard Combe. Sylviane Blain. Farida Issani. Serge Robineau. Zulia Zeghiri. Manuela Briscan, absente. Sarah Seljdrup. Elena Estève. Abdelouad Koussi. Asma Abelaïd. Mohamed Yembou. Mélanie Benoliel.
Mehdi Salem Cour. Adel Ben Ahmed. Myriam Adouche. Saïd Sadawi. Anna Coulon. Grégoire Roger. Maria Malescure, représentée par Dominique Fage. Dominique Fage. Alexandre Saada. Et enfin Delphine Debord. Ben, je vous propose donc de dépouiller. Qui est-ce qui appelle ? Adèle, pardon. Qu'est-ce qu'ils disent en fait ? Ils disent quoi ? C'est la même procédure que tout à l'heure. Myriam, tu ouvres et Adèle, tu prononces. C'est bon ? Très bien. Ou le contraire, à vous de voir. Liste Laurent Baron. 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 Vote blanc. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bulletin blanc.
Liste Laurent Baron. 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 Bulletin blanc. Liste Laurent Baron. 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 Bulletin blanc. Liste Laurent Baron. 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 Les résultats. Seul candidat, liste de Laurent Baron. Suffrage exprimé, 31. 25 pour la liste du candidat Laurent Baron et 6 bulletins blancs. Merci Myriam, merci Adèle. Il est donc demandé au conseil municipal d'élire les 9 maires adjoints comme suit. Awa Kone sur les politiques éducatives. Stéphane Commun sur les finances et la tranquillité publique. Clotilde Chauffru sur l'aménagement durable, la qualité de l'espace public et la transition écologique. Tristan Martin sur les solidarités, le logement, handicap. Emma Anthropoli sur la jeunesse, la transition numérique et les politiques de la ville. Jean-Abel Pécaud, affaires générales, anciens combattants, relations aux usagers. Marlène Douane, lutte contre les discriminations, égalité femmes-hommes, accès aux droits. Jean-Marc Robinet, culture, mémoire et patrimoine historique. Coralie Cocheteux, petite enfance et famille. Je vais vous appeler pour vous remettre les écharpes. Donc, Awa. Stéphane Commun. Tristan Martin.
excusez-moi, de Clotilde Chauffru. Tristan Martin. Emma Anthropoli. Jean-Abel Pecot. Marlène Douane. Jean-Marc Robinet. Et Coralie Cocheteux. Merci. Quelle fierté. Je vous propose de passer au point numéro 4 de l'ordre du jour. Un tableau est établi dans l'ordre défini en application de l'article L2121-1 du Code général des collectivités territoriales. Selon le rang suivant, le maire, les adjoints dans l'ordre de la liste présentée pour l'élection, les conseillers municipaux, par ancienneté de leur élection depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal, entre conseillers élus le même jour par le plus grand nombre de suffrages obtenus et à égalité de voix par la priorité d'âge. Le tableau disposant du classement des conseillers est annexé à la présentation à la présente délibération et doit être validé par le conseil municipal afin d'être transmis au contrôle de légalité. Il est donc, vous avez tous eu certainement le tableau. Non, il n'y a pas d'élection. On l'a distribué entre temps ou pas, non? Donc s'il n'a pas été distribué puisqu'on vient simplement de finir l'élection des adjoints, c'est le tableau tel que on vient de le mettre en place. Baron Laurent, Awa Koné, Comin Stéphane, Chauffru Clotilde, Tristan Martin, Emma Anthropoli, Jean-Abel Pecot, Marlène Douane, Jean-Marc Robinet, Coralie Cocheteux, Hervé Affrine, Gérard Combe, Sylviane Blin, Farid Aissani, Serge Robineau, Zulia Zeghiri, Manuela Briscan, Sarah Seljrup, Elena Estève, Abdelouad Koussi, Asma Abelaïd, Mohamed Yembou, Mélanie Belloniel, Mehdi Salemkour, Adèle Benhamed, Myriam Adouche, Saïd Sadaoui, Anna Colomb, Grégoire Roger, Maria Malescure, Dominique Fache, Alexandre Saada, Delphine Debord. Donc il nous est demandé d'approuver le tableau du classement des élus annexé par la présidente délibération. Je vous propose de passer au point numéro 5.
Oui, pardon. Oui, oui, c'est mieux. Je suis désolé. Qui est contre le tableau ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Donc cette fois-ci, je vous propose de passer à la délibération numéro 5. Mes chers collègues élus, avec l'installation de ce nouveau conseil municipal, une nouvelle commission d'appel d'offres et de délégation de services publics doit être constituée. Le rôle de cette commission est particulièrement important lors des procédures de passation de marchés publics ou d'attribution de délégation de services publics. C'est un incontournable de la gestion démocratique et transparente de la commune. En plus du président, cette commission est composée de 5 membres issus du conseil municipal. On vote donc une liste composée de 5 titulaires et de 5 suppléants. Y a-t-il des listes qui seront présentées ? Alexandre ? Oui, je serai candidat pour cette commission d'appel d'offres. Et par la même occasion, on arrive sur 2 vœux qui sont plutôt intéressants et qui sont un peu pour montrer comment est-ce qu'on va travailler pour la suite. Est-ce que, monsieur le maire, vous avez prévu aujourd'hui d'attribuer un de ces postes, notamment sur la commission d'appel d'offres, qui est quand même quelque chose qui nécessite un contrôle de l'opposition, de permettre à un de nous d'être élu à la commission d'appel d'offres ? Et c'est la même question pour le CCAS. Oui, bien évidemment. Donc Alexandre, tu es candidat. Y a-t-il d'autres candidats ? Grégoire ? Oui, tout à fait. Oui, également ici. Je serai candidat et Anna Coulon sera ma suppléante. Et donc Dominique Fa, je serai candidat et Mariama sera, Marie Maladiscure sera ma suppléante. Très bien. Autre candidature ? Il y a aussi la liste des candidats que je présente. Donc c'est la liste des candidats du Pré au cœur. En titulaire, Hervé Affrine, Sylviane Blin, Awa Kone, Jean-Marc Robinet, Serge Robineau. Et pour les suppléants, Stéphane Commun, Mehdi Salemkour, Mélanie Benoniel, Sarah Seljrup, Zulia Zeghiri. Il faut qu'on... C'est ça. Okay. Comme tout à l'heure, les bulletins vont être distribués pour le vote. Et comme tout à l'heure, si Myriam et Adèle veulent bien de nouveau... venir... Juste une petite question, là. Pourquoi certains bulletins sont déjà pré-imprimés ? Il y a eu déclaration avant, c'est ça, Grégoire ? Ok. Oui, ça avait c'est été demandé. C'est des candidats qui ont été déclarés, tout simplement. Je fais l'appel. Vous êtes prêts, Myriam et Adèle ? Donc, Laurent Baron, Awa Kone, Stéphane Commun, Clotilde Chauffru,
Tristan Martin. Emma Antropoli. Jean-Abel Péco. Marlène Douane. Jean-Marc Robinet. Coralie Cocheteux. Hervé Affrine. Gérard Combe. Sylviane Blin. Farid Aïssani. Serge Robineau. Zulia Zeghiri. Manuela Briscan. Sarah Geldrup. Elena Estève. Abdelouab Koussi. Asma Belaïd. Mohamed Yembou. Mélanie Benoliel. Mehdi Salemcourt. Adèle Benhamed. Myriam Hadouche. Saïd Sadawi. Anna Coulon. Grégoire Roger. Maria Malescu, représentée par Dominique Fage. Dominique Fage. Alexandre Saada. Et enfin, Delphine Debord.
Je vous propose, comme tout à l'heure, Myriam et Adèle, on dépouille, s'il vous plaît. Merci. Liste Laurent Baron. Liste Laurent Baron. Liste Lescure. Mariama Lescure. Non, c'est ça. Fage Lescure, en fait. Titulaire, Fage, suppléant Lescure. Pardonnez-moi, j'avais peur d'écorcher. J'en aurai une autre fois. C'est bien la liste des Lescure. Oui. Donc on n'aime pas tous les noms. Liste Saada. Liste Fage, suppléant Lescure. Liste Grégoire Roger. Liste Grégoire Roger. Liste Grégoire Roger. Liste Laurent Baron. 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 Liste Laurent Baron.
annonce des résultats pour la commission d'appel d'offres. 31 suffrages exprimés. Pour la liste d'Alexandre Saada, 1. Pour la liste de Mariama Lescure, 2. Pour la liste de Grégoire Roger, 3. Et la liste de Laurent Baron, 25. Merci Adèle, merci Myriam. Je vous propose de laisser quelques temps l'administration pour faire le calcul à la proportionnelle où le plus fort reste avant de vous donner les résultats. Monsieur le maire ? Oui. Est-ce que je peux vous poser une toute petite question, très rapide ? Bien sûr. Juste, je suis novice, donc je découvre le fonctionnement de ce conseil municipal. Une toute petite question. Alexandre Saada l'a dit tout à l'heure, il est important que l'opposition soit représentée. La commission d'appel d'offres et le CCAS sont évidemment des commissions très importantes. Une simple question. Étiez-vous obligé de présenter une liste complète ? Peut-être que de présenter 3 membres titulaires et 3 membres suppléants, vous aurez assuré évidemment la majorité, mais ça aurait peut-être permis à l'opposition, pour le coup, de siéger également à ces commissions. C'est une simple question de forme. Je vous remercie. Il n'y avait aucune obligation à présenter une liste complète. C'est le choix que j'ai fait pour respecter le vote démocratique des Gervaisiens. Et la place de l'opposition sera respectée avec le résultat que nous venons d'avoir. Donc, nous avons dit le nombre de votants 31, le nombre de blancs 0, le nombre de suffrages exprimés 31. Les élus à la commission d'appel d'offres sont Hervé Affrine, Sylviane Blin, Awa Koné, Jean-Marc Robinet, Grégoire Roger. Merci. Est-ce qu'il y a les suppléants après ? Les suppléants arrivent. Donc, je redonne le résultat. Nombre de votants, 31. Nombre de blancs, 0. Nombre de suffrages exprimés, 31. Les élus donc, à la commission d'appel d'offres sont Hervé Affrine pour les titulaires, Sylviane Blin, Awa Koné, Jean-Marc Robinet, Grégoire Roger. Et pour les suppléants, Stéphane Commun, Mehdi Salem Cour, Mélanie Belloliel, Sarah Seljrup et Anna Coulon. Pour répondre précisément à la question d'Alexandre portée par Grégoire, oui, c'est le choix que nous avons fait, mais j'ai envie de dire les oppositions auraient pu se mettre d'accord pour ne pas avoir un titulaire et un suppléant de la même liste et faire un titulaire et un suppléant de listes différentes. Je vous propose de passer au point suivant, qui est l'élection et désignation des membres du conseil municipal au conseil d'administration du Centre communal d'action sociale. Mes chers collègues, la crise sanitaire que nous traversons actuellement a rendu encore plus évidente l'importance du CCAS. Nous ne pouvons être que fiers des nombreuses actions de solidarité mises en œuvre durant cette période. Au quotidien, également, le CCAS joue un rôle majeur pour les Gervaisiennes et les Gervaisiens. Petite enfance, logement, insertion professionnelle, maintien à domicile, senior, c'est un accompagnement social tout au long de la vie qui est permis. Cet établissement public, administratif, communal est administré par un conseil d'administration d'où nous devons élire la moitié ce jour. Je propose de fixer à 8 le nombre de représentants du conseil municipal au sein du conseil d'administration du CCAS, ce qui porte à 16 le nombre total des représentants. Les listes des candidats, y a-t-il des candidatures qui souhaitent se déclarer ? Alexandre Saada,
Grégoire Roger, Monsieur Fache, Mariama Lescure, pardon. Et la liste que je porte, la liste du prêt au cœur, pour les titulaires seront Manuela Briscan, Tristan Martin, Sylviane Blin, Zouléa Seguiri, Coralie Cocheteux, Myriam Adouche, Abdel Ouad Koussi, Marlène Douane. Et pour les suppléants, Mélanie Bellolienne, Farida Issani, Serge Robineau, Adèle Benhamed, Jean-Marc Robinet, Awa Kone, Mohamed Yembou, Emma Anthropoli. Pareil, les listes sont en train d'être distribuées ou ont été distribuées, non, vont être distribuées. Donc pour être précis, titulaire Mariama Lescure, suppléant Dominique Fage. Pour être précis également, Anna Coulon, titulaire, Grégoire Roger, suppléant. Monsieur Saada. Alexandre Saada, titulaire. Si Myriam et Adèle veulent bien venir se préparer de nouveau. Myriam, Adèle, vous êtes prêts ? Donc, Laurent Baron, Awa Kone, Stéphane Commun, Clotilde Chauffru, Tristan Martin, Emma Anthropoli, Jean-Abel Pecot, Marlène Douane, Jean-Marc Robinet, Coralie Cocheteux, Hervé Affrine, Gérard Combe, Sylviane Blin, Farida Issani, Serge Robineau, Zoulia Zeguiri, Manuela Briscan, Sarah Geldrup, Elena Estève, Abdel Ouad Koussi, Asma Abelaïd, Mohamed Yembou, Mélanie Bellolienne, Mehdi Salemkour, Adèle Benhamed, Myriam Adouche,
Saïd Sadawi. Anna Coulon. Grégoire Roger. Maria Malescu, représentée par Dominique Fage. Dominique Fage. Alexandre Saada. Et enfin, Delphine Debord. Myriam, Adèle, je vous propose, s'il vous plaît, de nouveau de dépouiller. Merci. Liste Laurent Baron. 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 Liste Maria Malescu. Liste Laurent Baron. Liste Anna Coulon. Liste Maria Malescu. Liste Laurent Baron. Liste Alexandre Saada. Liste Laurent Baron. Liste Anna Coulon. Liste Anna Coulon. Liste Laurent Baron. 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 Liste Laurent Baron.
Liste Laurent Baron. Liste Laurent Baron. Liste Laurent Baron. Les résultats pour les élections du CCAS. Alexandre Saada, 1. Maria Malescure, 2. Grégoire Roger, 3. Laurent Baron, 25. Merci Myriam, merci Adèle. Je cite les noms des titulaires et des suppléants. Donc pour les titulaires, Manuela Briscan, Tristan Martin, Sylviane Blin, Zulia Zeghiri, Coralie Cocheteux, Myriam Adouche, Anna Coulon, Maria Malescure. Pour les suppléants, Mélanie Benoliel, Farida Issani, Serge Robineau, Abdel Benhamed, Jean-Marc Robinet, Awa Koné, Grégoire Roger. Je vous propose donc... Monsieur le maire, oui. Juste une petite question avant de passer au point prochain. J'ai du mal à comprendre, si, ça vous, si c'est possible. On va fixer les indemnités des élus, mais on n'a pas élu les conseillers municipaux délégués. Alors j'essaye, je ne sais pas si c'est normal. Et deuxième question, pour revenir sur les adjoints. J'ai peut-être mal entendu, mais je n'ai pas entendu d'adjoints au développement économique et à l'attractivité commerciale. On n'a pas une offre commerciale non plus flamboyante, sans faire de provocation. Il y a quand même une relation avec les commerçants à avoir, avec le marché couvert. Je pense que M. Pecot avait quand même pas mal de travail lorsqu'il était adjoint. Ça me paraissait plutôt évident d'avoir une délégation entière au développement économique et à l'attractivité commerciale. Donc, peut-être qu'il y aura un conseiller municipal délégué, mais je pense qu'on aurait pu en avoir. Écoutez, c'est un choix... c'est le choix du maire, comme on dit, sur... la fixation du nombre de maires adjoints et de conseillers municipaux délégués. Comme je vous l'ai dit, il y aura 9 maires adjoints dans cette équipe et 6 conseillers municipaux délégués, ce pourquoi toutes les thématiques n'ont pas été abordées ce soir, puisque les conseillers municipaux délégués arriveront à la suite. J'entends ce qui est dit. J'ai été conseiller municipal délégué aux affaires scolaires il y a quelques temps. Voilà. Je vous propose donc de passer à la délibération numéro 7 et de la faire conjointement avec la délibération numéro 8. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi, puisque c'est les fixations et l'application d'une majoration des indemnités des maires adjoints et des conseillers municipaux délégués. Mes chers collègues, il s'agit de désigner maintenant... de procéder à la fixation des indemnités des adjoints de maire et des conseillers municipaux délégués pour l'exercice effectif de leurs fonctions. Ces indemnités sont versées à travers une enveloppe globale qui est déterminée en fonction de la strate de la commune. Vous avez pris connaissance du contenu des délibérations qui vous ont été envoyées sur ce sujet. Il est donc demandé d'approuver au conseil municipal les montants des indemnités des fonctions des adjoints et des conseillers municipaux délégués dans les limites de l'enveloppe indemnitaire globale applicable en vertu de l'article L.2123-24 du Code général des collectivités territoriales fixé au taux suivant. Et vous avez certainement eu un tableau qui vous a été transmis avec l'ordre du jour. La délibération numéro 7, c'est le droit commun, les indemnités. La délibération numéro 8, c'est une majoration qu'on peut accorder à l'indemnité puisque la ville est en DSU. Y a-t-il des... Oui, Saïd. Oui, bonsoir, monsieur le maire, merci. Juste avant de voir la délibération sur la majoration... je voulais juste revenir sur un petit point sur l'indemnité des adjoints et le décompte. Il y a une petite différence, bon, minime, c'est 0,30%. C'est minime, mais quand même,
le décompte des 9 adjoints et les délégués est supérieur à l'indemnité légale. Donc voilà. Donc je sais qu'après majoration, ça s'équilibre, mais on a quand même 0,3% d'écart entre ces fameux décomptes pour l'indemnité des adjoints et des délégués. Donc voilà, si vous pouviez à la rigueur régulariser ces 0,3%, la majoration, ça ne posera pas de problème. Voilà. Merci. Les indemnités sont calculées avec une enveloppe globale et je ne vois pas, Saïd, pardonne-moi, les 0,3% que tu abordes. Juste, Laurent, c'est un calcul à faire, donc c'est pas regarder les documents. D'accord. Il faut faire un calcul et tu verras que dans le calcul, l'enveloppe globale et l'enveloppe qui est distribuée aux adjoints et aux délégués n'est pas la même. Il y a un montant supérieur de 0,3%. Bon, ensuite, il y a la majoration et quand il y a la majoration, les deux enveloppes sont pareilles. Mais il y a quand même une petite différence au départ. Alors, voilà, donc... juste avoir le calcul et puis régulariser ça, ce serait une bonne chose, quoi. Merci. Oui, je reviendrai vers toi, Saïd, on reviendra vers vous pour... J'ai une question. Pour répondre à ça, oui. Anna Coulon. Oui, donc, monsieur le maire, donc, étant novice dans ce conseil municipal, veuillez m'excuser par avance si ma question est une évidence pour un certain nombre d'élus. Par souci de transparence avec nos administrés, je me permets de la poser pour déterminer le choix que nous ferons lors de ce vote. J'aimerais mieux comprendre le fonctionnement du régime des indemnités des élus. Je ne suis pas familière avec le pourcentage de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Certaines communes publient le barème des indemnités des élus avec le montant en euros pour plus de transparence avec les citoyens. Donc, pouvez-vous nous dire quelle est votre indemnité en euros et celle des élus avant cette majoration et la nouvelle indemnité après cette majoration? Ensuite, étiez-vous dans l'obligation de prendre cette majoration, certes légale et déjà mise en place sur notre commune, jusqu'à son maximum, à savoir 90%? Peut-être que nos concitoyens auraient été sensibles à une diminution de cette majoration, même limitée dans le temps, par solidarité et par exemplarité. Et enfin, allez-vous continuer de concilier vos fonctions de maire et votre emploi à la SNECMA? Merci pour vos éclaircissements aux membres du conseil municipal et aux Gervaisiens. Oui, enfin, c'est comme le disait Anna, quand on est novice, on pose quelquefois des questions novices. Sur les indemnités, effectivement, tout est transparent et légal, comme on le répète dans cette assemblée. Donc l'indemnité nette pour le maire est de 2774 euros, l'indemnité nette pour les maires adjoints est de 801 euros et l'indemnité nette pour les conseillers municipaux délégués est de 464 euros. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver le montant des indemnités. Mais moi j'avais une question, donc excusez-moi, j'ai levé le doigt tout à l'heure. La même. Hein. Donc là, vous avez répondu en termes de montants. C'est toujours mieux d'avoir des montants que des pourcentages. Ça, c'est très bien. Mais par contre, là, du coup, la majoration, ça fait quoi exactement, pareil, en s'en entrébuchant, si je puis dire? Alors, je vous ai donné les indemnités avec la majoration. Donc, s'il n'y avait pas la majoration, je n'ai pas le montant précis. On pourra vous le donner, mais c'est un peu moins. C'est une majoration de... D'accord, ok, très bien. Vous apporterez la réponse. Monsieur le maire, juste, est-ce qu'on peut savoir, par exemple, est-ce que c'est un salaire, une indemnité plus haute que celle de l'ancien mandat? Non. On va essayer de se faire une idée d'un petit peu. C'est vrai, les indemnités actuelles du maire, des maires adjoints et des conseillers municipaux délégués sont les mêmes indemnités que 2014. Hervé. Je dirais que c'est un drôle de débat que nous avons ici. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas laisser croire qu'être élu avec une délégation de maire,
enfin, être élu, être maire, être adjoint au maire ou conseiller municipal délégué correspondent à un enrichissement, je dirais, par rapport à l'ensemble des citoyens. On n'est pas dans une très grande ville, on n'est pas un département, on n'est pas au niveau de la région. Il faut considérer la charge de travail, et moi je l'ai vu, la charge de travail que représente une délégation d'adjoints quand celle-ci est pleinement assumée, et Saïd Sadaoui est bien placé pour l'avoir vu, et pour considérer, je dirais, que l'indemnité, qui n'est pas un salaire, l'indemnité, je dirais, est ici minime. Et il ne faudrait pas faire croire autre chose. Alors pourquoi il a la DSU? C'est parce que autant on est dans une ville politique de la ville, autant il est reconnu à travers ce système, je dirais, de majoration d'indemnité via la DSU, que cette ville, je dirais, mérite un traitement particulier, je dirais, même si la majoration ici est minime. Voilà, ouais, merci. Là, je voudrais juste rassurer, loin de notre esprit, de remettre en cause de... Non, c'est pas du tout notre esprit. Notre esprit est plus tout simplement d'avoir des chiffres simples. Voilà. Et pas des pourcentages qui se réfèrent à des articles, même si évidemment c'est juridique, c'est normal que ce soit affiché ici. Mais une expression simple était. Je pense que le maire a bien répondu en donnant les montants. Pas de souci. Je confirme également ce que vous venez de dire. Ce n'est pas du tout un débat. C'est une simple question de transparence vis-à-vis de nos administrés. Et je vous rappelle quand même que vous n'avez pas répondu à la question qui était avant, après la majoration. Je vous remercie. On vous apportera la réponse avant et après la majoration. On a répondu à la question, effectivement, pour que les choses soient plus claires sur les montants, que je rappelle, 2774 euros pour le maire, 801 euros net pour les adjoints au maire et 464 euros pour les conseillers municipaux délégués. Et comme M. Afrine veut de faire un petit propos pour clarifier une certaine position, je vais clarifier la mienne. Oui, je continuerai à travailler à la SNCMA puisque la politique n'est pas un métier. Et aujourd'hui, même si je ne me l'amuse pas à le dire, mais puisque Mme Coulon me demande précision, oui, je perds de l'argent par rapport à ma vie avant à la SNCMA. Donc je continuerai à travailler 20% de mon temps à la SNCMA. Saïd. Oui, non, c'est juste une petite question, c'est que l'indice brut terminal, c'est en brut, hein, comme son nom l'indique. Donc là, c'est gentil de nous donner les indemnités des élus, mais au départ, c'est un pourcentage en brut, et maintenant, on a une indemnité en net. Donc, quelquefois, on ne suit pas tout ça. Mais bon, on a bien noté ce que ça voulait dire en net. Merci. On vous fera partir un mail avec les pourcentages, l'indemnité brute, l'indemnité nette avant la DSU, après la DSU, est-ce que c'était en 2014? Juste une chose, Laurent, je te rassure, on a déjà tous les chiffres, mais tu pourras nous les confirmer, ça sera bien. Merci. Bon. Très bien. Vous aurez donc la confirmation. Je vous propose de passer au vote. Pardon, Serge. Non, ça, simplement, c'est de toute manière une... fixé par la loi. Mais ce que j'espère, c'est que cet indice brut majoré de la fonction publique sera augmenté très prochainement par le président de la République, puisque depuis quelques années, nos salaires, nos traitements sont bloqués. Donc ça pourra changer très rapidement. Et je demanderai à l'opposition qu'on lui demande parfois d'appuyer pour que ça augmente. Merci. Merci Serge. Donc je vous propose. Pardon, Gérard. Monsieur le maire, je peux me permettre de vous faire une suggestion. Je souhaiterais qu'on puisse offrir aux membres de l'opposition qui posent ces questions le CGCT, ce qui leur permettra d'avoir une connaissance précise de la connaissance du fonctionnement d'une collectivité. Excusez-moi, ce n'est pas uniquement pour les conseillers d'opposition, mais on est quand même en direct. Il y a pas mal de Gervaisiennes et Gervaisans qui regardent. Ça me paraissait complètement normal de poser ce genre de questions. Il n'y avait aucune provocation de la part de Anna Gérard, Grégoire. C'est exactement ce qu'on a pu voir. Donc on espère que Laurent aura une autre pratique. Je fais juste une proposition. Et voilà, à ceux qui ont posé des questions. Une proposition sous-entendue assez déplacée, je trouve. Y a-t-il d'autres remarques ou des questions avant de passer au vote? Donc sur la délibération 2020-26, que j'ai appelée la délibération numéro 7, c'est les indemnités du droit commun. Qui est contre?
Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération adoptée. Et pour la délibération 2020-27, que j'ai appelée la délibération numéro 8, c'est le vote avec la DSU. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération adoptée. Je vous en remercie. Et je vous propose de passer à la dernière délibération de notre conseil municipal, qui est la délibération 2020-28, la numéro 9, pour fluidifier la gestion des affaires locales et éviter d'alourdir les ordres du jour de l'Assemblée. Le conseil municipal peut déléguer 26 compétences au maire. Vous les avez eues lors du mail pour l'ordre du jour. Ils sont sous vos yeux. Je vous propose de passer au vote s'il n'y a pas de questions ou de remarques. Saïd. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire, cher Laurent, ces délégations vous permettent d'avoir un pouvoir sur notre territoire, comme la possibilité de faire des emprunts allant jusqu'à 6 millions d'euros. Ce n'est pas une modeste somme. Nous tenons à souligner qu'il est indispensable que toutes les oppositions soient concertées en amont sur les décisions structurantes de l'avenir du Pré-Saint-Gervais. C'est une évidence pour tous nos concitoyens, puissent se projeter et se reconnaître dans le Pré de demain, pour prendre des décisions de façon collégiale et non en cercle restreint. D'ailleurs, pourquoi ne pas proposer dans les prochaines semaines la présidence d'une commission aux membres de l'opposition? Ce serait certes symbolique, mais témoignerait d'une ouverture démocratique. Je vous remercie de votre attention. Merci. Y a-t-il d'autres remarques ou des questions? Donc, pour répondre à cette délibération, c'est la même délibération qu'avant l'élection. Rien n'a changé. Et effectivement, toutes les décisions seront rendues, on rendra compte en séance de conseil municipal. S'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération adoptée. Je vous en remercie. Nous avons épuisé l'ordre du jour. Je ne terminerai pas cette séance du conseil municipal sans effectivement remercier Myriam, Adèle et Hervé pour la bonne tenue des scrutins. Vous remercier de votre présence. Et je regrette le départ de Delphine Debord, tête de liste, qui souhaitait diriger les destinées de cette ville, puisque nous sommes là effectivement pour délibérer. Et je regrette aussi qu'on soit encore en campagne alors que nous sommes au travail et les Gervaisiens attendent de nous du travail. Merci, je vous souhaite une excellente soirée. On reviendra vers Monsieur vous. Monsieur le maire, je peux dire un mot, s'il vous plaît. Du conseil municipal. Thank you.